Alors, on va passer au troisième test, qui sont les tests des glutéos. Alors, c'est encore Mathieu qui s'est fait mal en tombant. Tu t'es fait mal sur le côté, c'est ça? Ouais. T'es tombé comment? Ben, je suis pas... Non, j'ai mal depuis plusieurs mois. Il n'y a pas eu vraiment de traumatisme. Et j'ai mal la nuit, j'arrive pas à dormir sur le côté. Mais j'ai mal sur le côté. Ah ouais. Et alors, montre-moi comment tu marches. Parce qu'il faut le regarder marcher, parce que il fait très bien le... Voilà. Donc ça c'est une boiterie de Trendelenburg. D'accord. Donc ça veut dire que ça signe l'insuffisance du moyen fessier. Et après, le moyen fessier, bah, pour le tester, il y a un... Alors, on va commencer par le de monter sur une marche. Alors, comment on pourrait faire? Tiens, monte là-dessus. Vas-y, et tu pousses. Je peux pas. Et de l'autre côté, pousse. Aucun problème. Donc ça, c'est un premier signe. Deuxième, tu t'allonges. Alors, il a accepté que j'examine. Il m'a dit, mais je me mets pas à poil. Hein. Alors, le deuxième, c'est... que vous avez tout à l'heure, c'est ce mouvement-là. Je le mets en hyper-rotation externe, d'accord? Et je vais lui demander de pousser son pied vers moi. Vas-y, et moi je résiste. Aïe. Non, c'est de l'autre côté que t'as mal. Oui, tout à l'heure. C'est... Donc là, il a pas mal. Là, tu sens rien? C'est un peu quand même. Un peu. Et là? Aïe. D'accord. Et pousse fort. T'as mal, là? Ouais. J'ai pas... Mais pousse fort, fort. Mais il n'a pas de force, en plus. Il a mal et il n'a pas de force. Donc ça, c'est une atteinte des glutéos. Ensuite, tu vas te mettre debout et tu vas te mettre en appui monopodal sur la jambe gauche. Voilà, comme ça. Et puis, tu vas me dire ce que tu ressens. Alors, au début, tu vas rien ressentir. Et puis, au bout de 15-20 secondes, ouais, tu dois... Tu commences déjà. Ouais. Ah ouais, c'est grave, alors. Bon, ça, c'est les quatre signes. La boiterie, la fonction n'est pas bonne. Le deuxième signe, la douleur sur le grand trochanter à la palpation. Le troisième signe, la montée pour propulser. Et le quatrième signe, la rotation externe contrariée, très douloureuse et reconnue comme étant sa douleur. Ça, c'est les signes qui sont en faveur d'une souffrance des glutéos. Alors, ça peut être le petit... Ça peut être le moyen, ça peut être la lame latérale. Et souvent, c'est à la palpation qu'on va retrouver. Si c'est plus en avant, c'est le petit. Si c'est un peu plus en arrière et de façon plus étendue, c'est le moyen. D'accord? T'es d'accord? Est-ce que tu as d'autres... Non? Non, alors après, bah, il faut faire une écho, enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Merci Mathieu.